Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier test match de l'année. C'est le match entre l'Angleterre et l'Australie. Ça devrait être sympa, ça devrait être un match intéressant. Les Anglais, voilà, sur une série de victoires assez énorme. Les Australiens, mitigés. Écoutez, on va plus pouvoir jouer avec l'Angleterre. On voit qu'il y a quand même 5 points quasiment et 4,9 points de moins que les Wallabies. Donc ça devrait être plutôt sympa. On va mettre la configuration à Twickenham, évidemment, difficulté pro et durée 15 minutes. Ce sera deux jours, c'est samedi après-midi. Ne le loupez pas. Et en avant pour le match. Bon, moi, j'ai envie de parier sur l'Angleterre. Hein. Pardon, l'Angleterre qui est solide, hein, qui est voilà, hein, c'est sont là pour aller chercher les records. Ouais. De vieux ennemis. Rivalité ancestrale qui remonte à 1909. Là, on n'était pas né là, je crois. Ça remonte à un moment. J'ai un peu modifié la compo d'équipe d'Angleterre par rapport aux dernières vidéos avec les Anglais. On voit que j'ai mis, ça y est, Farrell en 12, hein, comme on le voit souvent. J'ai mis Vunipola aussi en 8, hein, qui est pour moi intouchable. Après, par contre, j'ai laissé Marler et Cole. J'ai pas mis l'autre Vunipola, Mako Vunipola en pilar. Voilà, ah, j'ai laissé Youngs aussi, on pourrait mettre Dylan Hartley évidemment. Après, bon, c'est des choix, c'est pas facile. C'est quand même sacré un fort. Côté australien, c'est fort, hein, c'est fort aussi. Foley en 10, Folau, Israel Folau le 15, très très bon. Ashley Cooper à l'aile. Voilà, Hooper, il manque Pocock en 3ème ligne, je crois. Bon, c'est fort. Moore, le talon. C'est fort côté australien, ça. D'ailleurs, 5 points de plus que nous. Donc, ça sera pas forcément, ça sera forcément pas simple. Mais on va faire ce qu'on peut. Et c'est parti avec George Ford. Oh non, j'ai pas changé le buteur. J'aurais dû mettre Farrell plutôt que Ford. On va le faire. On va le faire. Parce que je viens de calculer que j'ai oublié. Et je préfère mettre Owen Farrell. Qu'on fait roll. Hop, buteur et botteur. Voilà. Voilà, c'est bon. Est-ce que je peux quitter? Retour. Oui. Ah voilà, c'est bon. Et on y va. Ouais, parce que Farrell est quand même. Ce qu'il disait, c'est. On se demande si c'est pas en ce moment. Je sais plus sur quelle émission. Je regardais ça. Est-ce que c'est pas le meilleur buteur au monde en ce moment, Owen Farrell? Peut-être bien, il a une régularité. Il est très très. C'est un très très bon buteur. Attention, je dis pas meilleur joueur, hein, meilleur buteur. C'est différent. C'est un très bon joueur, c'est pas le meilleur joueur au monde. Certainement pas, par contre, c'est clairement un buteur hors pair. Et ceux qui refusent de lâcher. Et voilà, et on a déjà la possibilité. Voilà, on a eu raison de mettre Owen Farrell vite, mais qu'on obtienne de suite la première pénalité. Et ça devrait faire 3-0 normalement, oui. Et on ouvre le score face aux Australiens. À domicile, les Anglais, il faut aller les chercher. Ils veulent se venger. Hein. Rappelez-vous l'an dernier, les Australiens les ont battus et éliminés de leur propre Coupe du Monde. Il y a de la revanche dans l'air, évidemment. Et avec George Ford, on va aller chercher la touche. En tout cas, on met la pression. On a Johnny May qui court vite vers là-bas. On a du monde, mais ils s'en sortent bien. Les Australiens font une jolie relance, par contre. J'ai cru qu'on allait pouvoir gratter le ballon ou récupérer la balle. Malheureusement, non. Et boum. Ça, c'est très très bon plaquage. À la limite du hors-jeu. À la limite du hors-jeu, on part avec Billy Vunipola. Et on obtient une mêlée maintenant grâce à ce plaquage qui a entraîné un en avant. Une bonne mêlée. Et peut-être le premier essai du match. En tout cas, on va tout faire pour essayer de ne pas perdre déjà cette première mêlée. On devrait pouvoir la conserver, oui. On va envoyer. Mais non, c'était pas là. Bon, tant pis, on envoie Jonathan Joseph, Johnny May. Mais j'avais. J'ai demandé une passe à droite. Hein. Je vous assure que j'ai demandé la passe à droite. Il l'a fait à gauche. Voilà, il a. Je sais pas pourquoi. Ben Youngs ne m'écoute pas. Je voulais la faire. Bon, voilà. On récupère, on se venge. George Ford, Chris Robshaw. On a. Oh là 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 là. Et on balbutie notre rugby là. Ça ressemble pas au rugby anglais. Ça ressemble pas au 15 de la Rose, ça. Oula, le ballon, je sais pas si vous avez vu. Par contre, défensivement, les Anglais sont toujours solides. Par contre, on s'est fait pénaliser alors que j'ai arrêté très vite de.
de gratter le ballon. C'est sévère. Je trouve ça sévère. Ah là là. Et il trouve la touche. Bien joué. Là, ils se sortent d'un vrai danger où on avait vraiment une occasion d'essai, une mêlée, puis une touche. Et au final, on arrive à rien concrétiser. Et c'est les Australiens maintenant qui peuvent jouer et qui vont se retrouver dans notre. Allez, par contre, on va voir Mike Brown. Mike Brown à la relance, on sait les crochets qu'il a, et c'est ce qu'on va tenter, mais on n'a rien le temps de faire. Et on se fait gratter la balle et on se prend un essai d'entrée. J'aurais dû taper au pied avec, avec Mike Brown. J'ai voulu la prendre et tenter une relance en crochet. Au final, on se fait plaquer direct, gratter. Et il n'y a plus personne. Et Ashley Cooper se fait plaisir. Qui ne devrait pas tarder. Et Foley qui la transforme. En direction des perches. Il la transforme. Ça fait 7-3. Cette transformation maintient le suspense. Ouais, bon, les Australiens. Les Australiens nous embêtent. Allez, on y va. Et le match bon, les Anglais, c'est les Anglais. Ils sont très très forts quand même. Depuis le début de la saison. Hein. Il opte pour une passe courte. Allez. Allez, c'est pas mal ça. Lose, Johnny May qui tente de crocheter. Mais bien plaqué, hein, vraiment. Au bout du bout. Allez, on va envoyer sur Wood, Marler, George Ford, Tom Youngs qui voit qu'il va être pris. Alors il envoie à Watson qui aplatit. Ça, ça fait plaisir. C'était pas mal, hein, notre action, franchement. Avec sur l'aile, avec Johnny May d'abord. Et puis le dernier temps de jeu où. C'est pas mal, on va à chaque fois fixer tout le monde. Et puis Tom Youngs qui arrive à faire une très belle passe pour Watson et Farrell pour la transformer. Côté, mais ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller, on va voir. Mais oui, et on va reprendre 3 points d'avance, donc 10 à 7. Bon, bon, bon. C'est intéressant. Le match est pour l'instant animé au moins. Allez Watson. Et Watson qui a essayé de faire la passe à Farrell, mais intercepté. On va peut-être pouvoir la gratter par contre. Oui, Jonathan Joseph qui. Oh là là, la gratte, mais pour rien. On se fait intercepter de suite. Ah là là là. Là il y a danger. Là il y a danger. Mais on va essayer de prouver qu'on a une grosse défense. Vous allez voir. La défense anglaise. Et Farrell qui gratte la balle. Instantanément, Johnny May. Ah, c'est Chris Robshaw. Il va essayer de redonner. Je voulais donner à quelqu'un de plus rapide. Plutôt que la garder avec Chris Robshaw. Malheureusement, on se fait une fois de plus intercepter. Les Australiens. Allez, Johnny May, regardez. Les trucs dont on nous gueulait dessus. À l'école de rugby, on a fait un travers énorme. Mais c'est pas mal. Jonathan Joseph, il n'avait pas de. Il était pas bien installé. Et George Ford. Hop. Voilà. Tranquille, et regardez. On balance loin et c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Beaucoup de pieds de George Ford. Qui trouve une touche à l'entrée des 22 Australiens alors qu'on était à l'entrée de nos 22 mètres. Donc c'est tout simplement une superbe touche qu'il nous trouve. Elle est pas très droite, mais l'arbitre ne dira rien. Donc tant pis. On va défendre. Essayer de se jeter sur le mec avant qu'il tape au pied. Voilà. Et on a l'avantage. On peut peut-être essayer d'en profiter. Tenter quelque chose de fou. Genre une longue sautée. Avec Dan Cole. Évidemment, c'est pas le meilleur pour ça. Mais il arrive à trouver Johnny May. Jonathan Joseph. Oh, est plaqué alors qu'on a essayé de faire la passe à Courtney Loves. Non. Avantage terminé. On prend un essai sur ça. On reviendra jamais avec Chris Robshaw. On essaie de revenir avec Watson, mais c'est trop tard. C'est bien trop tard, mais terrible, terrible, parce que on se prend un essai. Enfin, si vous regardez notre en essayant, voilà, notre Ken Mike Brown est par terre parce qu'on a gratté là. On essayait de pousser pour ne pas perdre la balle dans le ruck. À cause de ça, ça nous fait assez rageant. C'est rageant parce que c'est un deuxième essai gratuit alors qu'on a un avantage. L'avantage, je termine et direct on perd la balle juste après. Et de nouveau 4 points d'avance en faveur des Australiens. Allez, on envoie sur l'aile à Watson qui va venir mettre la pression pour attraper. Et il y arrive une fois de plus. Marler, Wood, Youngs, May. Allez, et Farrell. Farrell est de nouveau là, il retrouve Joseph.
Ouais, dommage, dommage, on met le feu quand même, on joue. On essaie, mais pour l'instant, bah, les Australiens défendent bien. Ils tiennent bon, hein, parce qu'on aurait pu marquer bien deux essais de plus. On pourrait déjà être à 4 essais. Au final, non, peut-être à 3 essais, je dirais. Au final, on en est qu'à un. Allez, Mike Brown. Watson, on essaie de le lancer. Il arrive à retrouver Jonathan Joseph, c'est pas mal. Ah, par contre, attention. On va la conserver quand même, c'est pas mal. Billy Vunipola, Vunipola, Vunipola. Boum, oh là là, il a mis à terre. Ah, mais. C'est terrible. Regardez tous mes mecs à terre là. C'est complètement. Il faut pas. En fait, il nous pousse ça. Donc, en. Bourriné pour essayer de garder la balle dans le ruck et au final en fait on est sanctionné par ça vu qu'à chaque fois ça entraîne qu'on a des joueurs qui Youngs, on a essayé de trouver Johnny May très vite, voilà Johnny May, Johnny May, ah on était pris, on n'avait pas vraiment là, on va la perdre je pense, non et on a encore la possibilité peut-être d'aller chercher le dernier essai, Jonathan Joseph. Allez, mais faut aller dans le ruck, mais c'est hallucinant. On a des joueurs, ils veulent pas. Vous avez vu, Farrell, il bougeait pas, il est resté à la sortie du ruck là. Je rage. Territorialement, on les bouffe. En possession, c'est équilibré, mais au final, 4 points d'avance pour les Australiens. Un match serré, mais c'est tendu. Hein, c'est tendu. C'est ce qu'il y aura sans doute samedi. Hein. Allez, Farrell, Farrell. Alors, on n'a plus le vent en notre faveur, donc ouais, j'aurais dû plus la croiser. Et j'ai réagi un peu trop tard. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ben Young, ça va, on a Mike Brown qui arrive. Heureusement, hein, heureusement. Et heureusement que la rallye ne court pas si vite que ça. Sinon, ça aurait pu être très très dangereux. Allez, on va essayer d'envoyer un fond d'alignement pour Chris Robshaw. Youngs, Johnny May, Johnny May, mais allez, George Ford et George Ford pour un coup de pied, voilà. Et regardez, si on ne trouve pas la touche, il y a Jonathan Joseph qui est là à la fin. Non, c'est quand même une belle touche, mais on avait Jonathan Joseph qui avait super bien anticipé, mais beau, très très beau coup de pied de George Ford alors qu'on a le vent contre nous. Il arrive à nous trouver un coup de pied dans les 22 mètres australiens. On lâche pas l'affaire les gars, hein. On lâche pas l'affaire. On n'a pas dit notre dernier mot. Par contre les Australiens jouent bien. Ah ouais, c'est bien joué ça. C'est bien joué parce qu'ils ont fait avancer notre 15, Mike Brown. Et ce qui entraîne quoi? Bah, tout simplement qu'il est pas là en couverture. Oh là là, un avant de passe. Un avant de passe. Avec Johnny May qui on essaie de. Ah ouais, il y en a avant de passe, il y a pas. Attention, un essai encaissé maintenant nous mettrait sous grosse pression. Ce serait peut-être le moment de faire une grosse mêlée. Et non, on va pas récupérer la balle. Et là, il y a la pression. Là, il y a la pression. On essaie de monter vite. On n'arrive pas à l'arrêter. Il marque l'essai. On n'a rien réussi. On n'a pas réussi à les stopper. On n'a rien réussi à faire. Casser chacun des plaquages et. Et là c'est un premier vrai break, hein. Premier vrai break, voilà. 11 points d'avance. 11 points. Alors on a à chaque fois envoyé sur Watson, ça a bien marché. Alors on va continuer, je sais pas ce que vous en pensez, mais Watson il court vite, il arrive vite à chaque fois sur le ballon. Donc on va continuer. Allez, Watson. Ah non, bah, cette fois voilà. On aurait peut-être dû envoyer sur l'autre côté, sur Johnny May, mais Ben Young, oh là là, mais on n'arrive pas à en profiter, nous, de nos turnovers. Nos turnovers sont inefficaces pour l'instant. Et pourtant, on en fait énormément, mais. Allez, Farrell, Farrell, Farrell qui zigzague dans la défense. Oh là là, elle est perdue là-bas. Elle est perdue, non, elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue, on va peut-être insister, même côté. Avec Vunipola. Vunipola qui trouve Jonathan Joseph. Jonathan Joseph. Johnny May. Essai, essai. Avec Vunipola, j'ai hésité à y aller en puissance. Et puis au final, on va se décider à plutôt faire la passe, à fixer, pour donner à Jonathan Joseph qui va lui aussi fixer. Trouver Johnny May sur l'aile, vraiment au bord de la touche. Et il va pouvoir aplatir.
Il a déjà frappé des coups de pied plus difficiles. Ouais, il n'est pas facile quand même. Pour assurer ses deux points supplémentaires. Il n'est pas facile, mais je pense que ça va bien passer. Oui. C'est parti vers les perches. Oh. Allez, on revient de nouveau à 4 petits points. Et le match est tendu. Les Anglais ne peuvent pas lâcher. Ils peuvent pas lâcher l'affaire. On est à Twickenham. On est chez eux, dans leur jardin. Watson, Farrell, Ford et Ford qui va essayer de trouver la touche. Voilà. C'est bien, ça c'est un bon coup de pied. Il nous remet dans le camp australien. Maintenant c'est à la défense d'être au taquet. Alors ils vont peut-être taper au pied, hein. On va voir. Ouais, ils n'ont pas besoin. Hein. Non, moi je pense qu'ils vont bientôt taper au pied. On va voir. Non, ils en ont pas besoin. Ils nous mettent, à mal, hein, les Australiens. Hop, Mike Brown qui vient faire un bon plaquage. Par contre, on n'arrivera pas à gratter. Et, ouais, ils sont bien, les Australiens. Allez, là, on peut la gratter, je pense. Ah non, on la gratte toujours pas. Attention, sur un petit côté. Non, ils repartent de l'autre côté. L'équipe des Wallabies. Et plus que 20 minutes de jeu. Et ouais, les Australiens qui sont partis de leur 40 environ. Ah, ils ont refusé de lâcher, ça c'est bon. Ouais, ils sont partis de leur 40, ils ont avancé jusqu'à quasiment nos 22 mètres. Bon, au final, on l'assure la touche évidemment. On se méfie du vent, on l'a pas assuré, qu'est-ce que je vous raconte? On l'assure, tu parles. Par contre, on la gratte pas et c'est reparti pour de l'attaque défense avec une Australie qui arrive à très très bien conserver la balle. Et là ils nous mettent à mal, hein, Par contre Joe Marler qui arrive à gratter, mais on n'arrive pas à faire la passe. Allez, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais regardez mes joueurs là-bas, ils sont restés. Mais ils sont sérieux, c'est dégueulasse. Allez, Johnny May qui gratte le ballon, puis Vunipola, on n'a rien le temps de faire. Et on perd tous les ballons dans les rucks, on ne peut rien faire. Nos joueurs sont peut-être complètement cramés. Je comprends pas ce qu'on peut faire là, mais on est en train de craquer, j'ai l'impression, physiquement. Et ouais, les Australiens là qui nous font mal. Aïe, 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 aïe. Alors on essaie d'être bien organisé défensivement parce que un essai nous ferait très très mal. Il y a Mike Brown qui a suivi. On peut pas, c'est indéfendable. C'est indéfendable et ça fait un essai de nouveau australien. Indéfendable, parce qu'on perd tous les ballons dans les rucks. On n'y arrive pas dans les rucks là sur cette fin de match. Nos avants qui sont cramés, qui restent allongés pendant 3 heures sur l'autre action. Enfin, vous avez vu ce qui s'est passé. Terrible. On va envoyer de l'autre côté sur l'aile à Johnny May avec Owen Farrell. Allez, Johnny May qui court et qui la récupère pas. Dommage. Allez, mais on met la pression. Et Chris Robshaw. Ah, Farrell qui fait tomber le ballon. Jonathan Joseph. Cole Parling. On essaie de faire vivre. Il faut aller à l'essai là. Watson, on tente de crocheter. Ça marche pas. Et le soutien qui met du temps à arriver et on la perd de nouveau. Le ballon met du temps à être libéré. On la perd de nouveau et Phipps. Pourquoi je me dépêchais? Parce que le match il n'était pas fini, si on remarquait très vite. Les joueurs dans le malheureusement c'est clairement pas le cas, on n'arrive pas à remarquer instantanément. Et c'est ce dont on avait besoin pour espérer. Allez, non, ça veut pas. Et les Australiens qui sont en train de faire très mal une fois de plus aux Anglais. C'est hallucinant ça. Alors que quand même l'Australie en ce moment est clairement moins forte que l'Angleterre, je pense. On verra ça ce week-end. Mais clairement je pense que oui, il n'y a pas photo. Quand on voit la tournée des Australiens qui est moyenne. Et les Anglais qui vont depuis le début de l'année sont quand même impressionnants. On se dit quand même. La Twickenham, ça devrait bien se passer pour les Anglais. Et au final, regardez. On n'arrive pas à récupérer. Je pense que j'aurais dû faire des remplacements. J'ai l'impression que nos joueurs sont cramés. À suivre, touche. Alors il faut marquer. On n'a pas le temps. Je pense que le match est fini. On va envoyer sur Chris Robshaw en fin d'alignement. Mais on va aller essayer de sauver l'honneur en marquant un dernier essai. Jonathan Joseph. Mais Watson est complètement terrible. Le ballon est intercepté. C'est.
C'est une passe à hauteur. Ah, le match catastrophe pour nous là, on n'aura pas réussi à. On n'aura pas réussi. Bien joué aux Australiens là, mais ils ont gagné. Est-ce qu'on peut pas la gratter pour avoir une dernière occasion? Non. Allez. Allez, faut pas les laisser taper en touche. Faut la gratter celle-là, oui. Allez. Allez, on a une dernière action, Jonathan Joseph. On l'a. Allez les gars. Alors oui, le match est perdu. Mais c'est un match amical et on est là pour sauver l'honneur. Avec Watson, oh non, on essaie de renvoyer le ballon pour pas être sans touche et malheureusement ça ne suffit pas. Et une défaite qui fait mal. Ah là là, qui arrêterait la série des Anglais, ça serait terrible. Deux essais à 4 pour les Australiens. C'est logique, après une possession, il la domine un peu territorialement. On est devant quand même, mais bon voilà. Bon, moi je parie quand même sur une victoire anglaise, on verra ce qui va se passer. C'est samedi après, à 15h, autour de 15h. Je sais plus exactement l'heure à laquelle c'est, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé. À très vite pour d'autres matchs. Ciao, ciao.